Aujourd'hui, le but de la manifestation, c'est de montrer notre ras-le-bol. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On a des choses qui nous ont été promises l'année dernière qui ne sont toujours pas tenues, comme le projet de loi de finances agricole et l'empilement de normes et de restrictions qu'on doit faire face sur nos exploitations. C'est plus possible. Alors aujourd'hui, on veut nous supprimer certains produits phytosanitaires. On n'est pas contre, mais donnez-nous des solutions en face pour pouvoir pallier à cette interdiction. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres solutions. Ça va impacter nos productions. On ne sera pas rémunéré à notre juste prix. Les produits ne sont déjà pas rémunérés à leur juste valeur. Et on va produire moins pour vendre pareil. Et on ne s'en sort déjà pas aujourd'hui. Donc comment vous voulez qu'on s'en sorte plus tard? Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on est très très nombreux. On n'a pas eu de mal à mobiliser. Il y a un ras-le-bol général dans les fermes. Et les gens ont une colère et il faut qu'ils s'expriment. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je pense que si rien ne change, la colère va monter crescendo.